Il n'y en aura pas de wololo. Non, faut pas y chanter quoi. Hey, t'as un problème. Faut pas crier. C'est pas qu'il fait chaud. Ah, faut ton jaillet, oh. C'est qui dit la raison. Faut pas crier dans nos oreilles. Mais je crie pas. Hey. Tu parles. Hé, tais-toi. T'as posé question aux gens là-bas, t'as pas bien répondu. C'est pas si pour t'as venu faire ça. Faut pas mettre ton doigt sur lui. Faut pas mettre tes segments là sur lui. Tu dis qu'aujourd'hui tu ne peux pas la défense de quelqu'un. Normalement tu ne peux pas la défense de quelqu'un. Donc tu me laisses mettre ma main sur lui. Faut pas mettre ta main sur moi. Parce que c'est lui que je moins. Même si toi te moins un peu. Je moins tout. Mais toi aussi tu es là, fleque. Bernice te fait les choses, tu ne peux pas parler. Je dois toujours te défendre. Je veux parler, mais souvent là, il ne sait pas comment il est dit à ça. Moi je ne suis pas ta marraine. Je ne suis pas ton parrain. Voilà. Pas ton père, ni ta mère. Même si. Truc. Même si tu quoi? Je n'aime pas. Je fais tout. Même si tu, non, mais tu as agité. J'ai bu un peu de Cody ce matin. C'est un Cody, tu as bu, tu vendrais, tu as bu 10 litres de vodka. Cody. Mais il y a quoi là, c'est normal que Cody a fait ses filles. Ah, faut ton jaillet, oh. La jeunesse, il n'y en aura pas de. Oh, yo, yo. Faut ton jaillet, oh. Ah. La jeunesse, oh, yo, yo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous ça va super méga archi parfaitement bien. On est heureux de filmer à nouveau cette vidéo. Donc voilà, je vais laisser Aziz Timité se présenter. Après Kevin Aubin, le maître de cette chaîne. Et ensuite, ou enfin, moi. Voilà, donc je te laisse la parole. Salut, c'est Aziz. Toi, tu vas savoir pardon, aujourd'hui, ça m'a foutu sur moi. Faut laisser. Moi, je suis toi. Laisse, je vais m'exprimer. Je suis sur toi. Hein? Parce que tu sais qui est-ce toi. Présente-toi, monsieur. De me présenter, moi-même, ma chaîne. Présente... Faut parler en partie. Faut te présenter. Donc voilà, moi c'est Vernus la star. Vous me connaissez très bien. Je suis heureux de filmer à nouveau cette vidéo avec mon grand frère Aziz Timité, notre monteur. Voilà. Donc je tiens aussi à remercier Mado. Bisous, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. C'est une abonnée, merci beaucoup. C'est qui est Mado? Mado, c'est une abonnée. Elle t'aime trop. Donc elle est passée par, un peu comme moi, je t'aimais trop, tu vois, et je suis passée par tout le monde pour ta voix. Elle était trop. Elle m'a même offert, elle m'a même offert un truc hier. Elle a chargé un truc qui m'a publié comme ça. Mais si tu peux pas parler, laisse-moi parler. Ça, c'est pour parler, pour dire merci aux gens qui t'ont fait les choses toi seul. C'est pas la peine. C'est à toi la donner, c'est pas à nous. Mais c'est grâce à toi aussi qu'on m'a connu. Oh, faut lui dire ça, faut lui dire. Non. C'est une maman, arrête. C'est une maman. Coucou Mado. Quand on a une maman là, on partage cadeau à tous ses enfants. On choisit pas un seul enfant pour partager cadeau. Tais-toi, tais-toi que tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Moi, je réponds à tous mes DM, les voilà. Mais il y en a qui travaillent contrairement à toi. Toi, tu as toujours couché sur le matelas ici. Arrête. Le sujet, c'est pas sur coucher sur mon matelas. On parle des révélations secrètes d'aujourd'hui. Partie 3. Ouais, partie 3. On a fait une première partie là-haut où ça a donné. Et vu que ça a donné, on a fait une deuxième partie. Non. Et on a fait ça dans une autre résidence. Et là, c'est la troisième. On a fait une de je pense, 59 ou 52 minutes, je pense. Et puis après, on a fait. C'est partie 3. Moi, je maîtrise. Hein. Contrairement à toi, tu fais ta sauce comme une statue. Moi, je maîtrise. Tu as chargé YouTube un peu. Oui. C'est bien, c'est pas bon qu'il y ait pas envie de trop parler. Tu sais aussi que grâce à YouTube, là, il y a des partenariats. Faut faire tout là, mon parti. Quel partenariat? Tu sais que grâce ici, on t'a... Générique. Non. C'est moi, il dit. C'est moi, il dit. Bon. Attends, 3, 2, on parle, non? À nouveau. Bon, laissez-moi, mais il y a aussi le génie. Il a dit que, contrairement à toi, tu veux t'asseoir comme une statue, là. Tu, ça reste comme ça. Stop, vous vous taisez. Générique. C'est moi, je dois dire, c'est ma chaîne. Sauvage. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les chéris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous présenter les boubous. Il n'y a pas que tap tap scene. Si. Je viens vous présenter les robes de Kune Beauty Collection. Son site internet est disponible. Vous pouvez commander sur le site internet si vous êtes en Europe, à Paris ou en Europe en général. Les robes sont à partir de 29 000. Je pense que toutes les robes même sont à 29 500, un truc comme ça. En tout cas, c'est pas cher. Voici les robes. Les robes de qualité. C'est bientôt la fête du Laïd. Tabaski même, c'est dans un mois et demi. Et puis, c'est pas que pour les musulmans, les robes là. Vous pouvez porter ça pour aller dans des baptêmes, des fêtes.
Même de petites soirées chill, regardez la qualité des robes. Si vous êtes en Afrique, elle livre dans toute l'Afrique. Et puis elle a un magasin à Abidjan, à Marcoury. Voici le numéro si vous voulez commander, si vous êtes à Abidjan. Si vous voulez aller dans le magasin même pour regarder, vous contactez toujours ce numéro-là. Et puis j'ai mis le lien en description. Le lien pour commander sur le site internet là. J'ai un code promo. Kevin QB. Voilà. Avec ce code promo là, si vous êtes en Europe, les frais de livraison sont gratuits. Vous n'allez pas payer de frais de livraison. Voilà. Ce sont les robes magnifiques, sublimes, totalement. C'est une livraison donc les frais sont... Les frais de livraison, on convertit avec frais. Un frais. On dit une frappe. D'accord, c'est toi qui es journaliste. Stupide. On Une autre me démonétiser ça là. Stupide. Non, non. Stupide. Stupide. C'est pas un mot. Non, stupide là, tu peux laisser. Maintenant, l'autre là, dépêche. Le mot même pas à toi même. Stupide jusqu'à là, il sait même plus. Hé, je n'ai pas fini mon placement. Donc, commandez les robes qu'une beauty collectionne. Exactement. Voilà. Maintenant, avant de continuer, je viens vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique. Mon code promo Chori12 vous donne 5 euros gratuitement si vous êtes en Europe. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, mon code promo vous octroie 10 dollars gratuitement, peu importe la somme que vous payez. Peu importe la somme que vous envoyez en Afrique, bon, vous payez que 2 euros de frais d'envoi si vous êtes en Europe. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, les frais d'envoi sont totalement gratuits. 0 dollars. C'est ça. Mon code promo, c'est Chori12. Et notre code promo. Ah non, non, que chaque. Non, oui, bien oui. Dit. Et notre code promo vous donne 10 dollars canadiens gratuitement, 10 dollars américains. C'est bon. Non, 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 chacun n'a qu'à dire son code promo. Si c'est un réseau. Est-ce que j'ai parlé? Tu dis pas ton code promo ici. Je n'ai pas dit mon code promo. Okay. Mais je suis belève. Moi, mais je dois avoir code promo ici. Écoute, tu dois faire quoi? Je vais rentrer dans le TapTapSend. Quoi? Tu prends ces TapTapSend là, c'est fête foraine quoi. Mais tout le monde rentre. Mais Benny, c'est rentré, non? Mais Benny, c'est influenceur. Tu viens de lui là. C'est un zombie. Oh, t'as pas de dépôt. Fais quoi? On parle. TapTapSend là, c'est pas gêné. C'est pas fête des balafons. C'est pas balafon. C'est pas ça. Tu penses que tout le monde rentre dedans comme ça pour danser? Tu penses que c'est. Tu as trop vu ce gasoil, c'est pas ça aussi. Que je vais rentrer dedans. Tu es rentré. Pas tu veux rentrer. Voici ça, tu as couché. Ouais. Tu es dedans. Tu dors, mais tu as fait la sieste dedans. C'est bon. Laisse-nous parler. Est-ce que c'est bon que bonbon? Voilà. Bonbon. The good. Ça, ça veut dire quoi? C'est un truc sur TikTok. Tu ne le pas trop sur TikTok. Stupide! En tout cas, je viens aussi pour vous dire que je commercialise des produits de cheveux qu'on appelle Chebe Chebe qui augmente et achète. Chebe Chebe, Cheba Cheba? Oui, Toto. Cheba Bana Chebu? Oui, Toto Hino Catherine, Mamiaï, c'est qui ça est petit, essayez, bois. Nintu. On a qu'à laisser. C'est qu'elle suit Yvan. On va commencer la vidéo. Venez payer. Eh, donnez-moi la force. C'est sur vous que je compte. Donnez-moi la force. Compte un peu sur toi-même tes abonnés. Laisse mes abonnés vont respirer. Tes abonnés sont à moitié. On pas aussi mes abonnés. Donc arrête. Tu n'es qu'une profiteuse. Je ne suis pas une profiteuse. Tu es une narine. Les gens qui t'ont entouré jusqu'à aujourd'hui, là, combien d'abonnés ils ont eu? Ils n'ont pas eu d'abonnés. C'est quand tu es au bon fond et que tu présentes du bon contenu que des personnes viennent vers toi. Tu présentes quel contenu? Toi, tu ne vois pas le contenu que les personnes. Ouais, ça. Contrairement à toi, je présente du contenu. C'est ils ont mal fait. Même. C'est moi, mais on devait venir m'appeler d'abord. Pour une... C'est quel compagnon on vient de. Modèle, si on doit t'appeler, c'est qu'ils vont appeler tout le monde. C'est à faire toi aussi, ils vont c'est appeler. Elle bon. Ta babichette. On va faire vidéo. Ok, je choisis. Tu es excité aujourd'hui après. Dosso! Oui. Vas-y. On va commencer. C'est mieux. Merci. En tout cas, vas-y. Quadio Mandelay. On va commencer. Les filles se crient. Partie 3, premier secret. Ça fait Rio. Attendez, c'est pas partie 3, c'est partie 4. Non. On a fait 3 parties, c'est vrai, c'est partie 4. On a fait jusqu'à 3, c'est partie 4. Pourquoi tu comptes comment même? La première partie. Non, c'est partie 4. Oh! Comptes comment même? Tu es distrait comment? On est concentré, t'es là, tu parles pas, tchébé. Aziz. Mais sinon, tu m'en pas. Comptez le nombre de vidéos, ça te dépasse. Ya, Bénice, ya! Sinon, t'as pas plus de 300 vidéos sur ta chaîne YouTube, ça je sais. Mais ils sont en train de te. Mamie, move! Tu n'as pas raison. Je te justifie comme le. Move! Ma! Move! Premier secret. Oli, mon monteur. J'ai posé un lapin à une fille de Facebook. Ah, ça c'est toi. Ah, c'est toi. Les L.
Patrick, tu m'as posé. Ça, c'est toi. Qui m'a posé? Non, n'aime pas poser de lapin. Ça, c'est ton frère. Tu diras oui, la contraire. C'est lapin. C'est parce qu'on n'aime pas poser de lapin que ça peut pas être nous. Ah. C'est pas autre chose. Non, on pose que le bœuf. Non, c'est pas ça. Non, on verra. On pose que le bœuf. Aziz, oui. Comment ça tu peux contacter une fille sur Facebook, vous vous donnez rendez-vous et tu lui poses un lapin? Ça n'en fait pas. C'est pas bien. C'est l'enfant des gens. Parce que vous les garçons de Facebook là, vous prenez les filles de Facebook là comme des pions. Oui. Vous la prenez comme Gina Mori. Je suis désolé. Comme du cul. Désolé. Mmh. Tu ne peux pas contacter. A fait les filles. Tu as dit bon moi j'ai dit A fait les filles depuis j'ai clos le chapitre. Attends, on ne doit plus dire ce que j'ai dit. Oui. Non, non, arrête, si tu peux dire. C'est pas. Ah ok, ok. Parce que j'ai pas compris. Hein. Non mais tu vas contacter déjà une fille sur Facebook et lui poser une appel. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu fixes un rendez-vous là, tu dois forcément respecter. C'est parce que tu as vu que la go te plaît. Tu vois? Et tu es parti vers elle. Quand elle est vue de oui? loin, elle me plaisait plus. Mais on plaquait sur moi. Quand tu l'as vu en vrai, elle te plaisait plus. De loin. Ah de loin. Elle est arrivée à la pharmacie. Mais ça c'est pas bien. Mais elle ressent pas ces photos aussi. Moi, pas parti pour quelque. C'est quoi tu veux faire là? Tu m'envoies une photo où tu es bien noir là, il te voit, yap. C'est quoi ça? Mais faut faire un peu comme mon grand frère. Au moins tu au vas par le respect. Tu vas, tu poses à la personne. Elle ne correspondait pas à ses photos. Tu vois, comment tu es impoli? Tu es impoli. Faut que tu vas voir quelqu'un. Puis, madame la commissaire du commissariat de Tampi, faut le laisser, il va s'expliquer. Eh! Ah! Faut aller voir, mais c'est un peu voir. Il y a plus de ton corps. Il y a pas plus de ton. Donc il disait. On a fixé un rendez-vous. Hein? Tu as dit des choses, t'es. On a fixé c'est un rôle que j'ai eu calme. On a fixé un rendez-vous. Oui. Donc, du coup, on devait se voir un samedi à la pharmacie. Parle un peu fort, t'entends pas. On devait se voir à la pharmacie Soping. Mm-hmm. Tu vois, puis on est parti dans un restaurant. Faut pas faire la publicité de Bon ici. C'est une pharmacie. Et c'est bon. C'est pharmacie. C'est pas magasin de jouets, c'est pharmacie. Pourquoi c'est spa ou bien? C'est pas publicité. Pharmacie Sopim là, c'est pas publicité, c'est pharmacie. C'est pas magasin de manucure pédicure. Je vais faire un peu là, toi tu as. Mais quand tu fais pas bien. Donc on fait comment? Tu fais dans le désordre. Tu es désordre. Toi aussi, doucement. C'est pas comme toi, tu fais pas trop bien aussi. Continue ta story. Et très rapidement. Hein. Parce que c'est Yeri. Oui. Donc il y a vu. La mémorité, vous êtes trop bon là. Faut parler. Vidéo là, tu vas voir comment il y a mon niveau. Non, moi j'ai remarqué. C'est ça, ça y est, c'est ça, Noé qui va faire. Non, mais ok, ok, il y a mes fonds rouges aujourd'hui. Il y a mis en rouge de l'autre fois là. Faut parler. Oui, il y a mis en rouge. On est là, non. Faut parler. Ok, donc il disait, il voit la fille de loin en bas. Il voit qu'elle ne correspond pas à ses photos. Donc, Joe, ça m'a cassé en fait. Donc, elle m'a demandé, ah, tu étais où ça? Il n'est pas répondu, moi, c'est un peu directement. Mais c'était bizarre. J'ai remarqué que c'était vraiment mal. Mais c'est normal, mais comment tu peux envoyer une photo que tu ne ressembles même pas à la personne? Ça fait combien de temps que tu parles avec elle? Ça fait combien de temps que tu lui as posé ce lapin? Non, ça date. Ça fait plus de 14 ans. Ok, peut-être sur Facebook, on était jeunes. Prochain secret. Je t'ai sauté. Prochain secret. Prochain secret. Hé hé, ça a chuté. J'ai menti à mon papa sur mon cursus scolaire. Nous tous sommes partis à l'école. Non, c'est Ben, c'est toi qui peux faire tout. Pourquoi c'est toi qui peux faire ça. Pourquoi j'ai menti à mon père? Parce que j'ai. Non, je peux pas. Moi, je partais à l'école. Quelle école? Vous là, je partais à l'école. Oh. Non, c'est Jean menti. Jean, peut-être tu n'as pas validé. Ou bien tu n'as pas eu moyenne. Et puis tu as dit, j'ai eu moyenne. Non, mais c'est Ben qui peut faire le truc. Non, je n'aime pas. Moi, mais quand j'échoue là, je vais directement te dire. Il ne faut pas après, tu vas apprendre à la bouche de quelqu'un. Même. Maintenant, première année, dès qu'ils ont dit les noms des gens, ils ont pas dit, j'ai appelé ma grand-mère. Maman, je n'ai pas eu. Vu que je l'appelle maman, il y a dit, maman, je n'ai pas eu. Elle dit, d'accord, c'est pas grave. Viens à la maison. Mais quand je joue, il appelle. Quand je c'est pas toi, c'est que c'est qui alors? Ça peut être maman, pas mon fils. Pardon, lui, là, il est très intelligent. C'est vrai qu'à un moment de sa première année de droit, il a échoué. Maman, faut le laisser, c'est moi. Faut le laisser, c'est moi. Moi, je savais où. Ah, il connaît ta vie. Non. Oh, tu savais maintenant. Tu voulais me défendre. Laisse. Faut laisser, c'est bon. Non, mais ça, c'est moi. Ah. Attends, c'est lui. Justement, toi, tu as fait beaucoup de mauvaises choses de ta vie. Il ne faut pas trop parler. Mais ça, là, c'est moi.
ça m'étonne quand même. Mais j'ai expliqué ça même sur YouTube il y a quelques années. Je vois l'histoire, maman. C'est dit que je te suis de près comme ça. Mais toi, tu as toujours été fanatique. Mmh. Moi, j'ai toujours été ton idole. Idole, non, idola. C'est moi de toi. J'ai toujours été ton idole. Moi, je t'ai. Quand j'ai échoué ma première année du chaos là, j'ai menti à mon papa que j'ai validé. Donc dans sa tête, j'étais en deuxième année. Maintenant, il a allé à la comptabilité pour payer. Et puis, lui, on dit que mais non. Genre, vers le milieu de l'année, lui, on dit que mais non. Il a toujours en première année, il a repris. Et puis, mon papa m'a appelé. Que tu es en quelle année? Je dis deuxième. Il dit comment ça, deuxième? Je dis comment ça, comment? Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ça, tu as déjà expliqué. Il dit, je suis dans ton école, monte. Je dis, si c'est pour monter, pour m'humilier, c'est pas la peine. Pas même descendre. Au lieu de m'humilier en haut, je préfère qu'on m'humilie en bas. Parce que la comptabilité était en haut. Et des fois, descendre, tu vas m'humilier sur le sol. Je ne peux pas prendre l'escalier pour aller me faire insulter. Pourquoi? Quand tu prends l'escalier là, tu transpires. Mais c'est normal qu'il t'humilie. Parce qu'il peut pas payer pour 600 000. Comment pas? Mais 600 000, c'est pas comme dans les... Je me suis racheté. Aujourd'hui là, je suis diplômé en journaliste. On n'a pas dit le contraire. Je me suis racheté. Du moment, là, de l'instinct. On devait t'humilier même là-bas, en haut, en bas, même à la maison ici. Partout. Tu ne devais pas rentrer même à la maison ici. Tu méritais même la pendaison après ça. Bon, c'est pour parler, c'est juste. C'est pas vrai. C'est juste le parler, pas plus. Challenge, bro. Oui. On change de secret. Tiens. Toi, j'étais trop fort à l'école, quoi. Toi, tu as parlé. Vous deux, vous me faites rire. Toi, tu étais trop fort. Vous étiez trop fort à l'école. Moi, j'ai pas dit que j'étais trop fort, mais il n'y a jamais mon signe qui se trouve. Aïe. Qui était le rally? Qui était le rally? Ça, là, c'est toi. Pourquoi? Attends. Hein? J'ai la PB dans le Yango sur l'autoroute. C'est pas quelqu'un, c'est toi. Non, arrête. Non, franchement, c'est toi qui est sauvage comme ça dans la fête de Kiabali. Dans Yango. En plus, toi, tu aimes prendre Suzuki Alto quand tu prends Yango. Suzuki Alto qui est comme AirPod là. Où est place pour faire l'appaiement? Ah, ben, si tu as quelque chose, faut expliquer. C'est pas bon, c'est toi. C'est qui? Moi, je peux pas faire ça. Toi, tu n'es pas bon, mais tu as des limites. C'est toi. Non. Ne fais pas comme si c'est moi seul. Mamie, c'est qui? C'est moi. Ah, ok. Ok. On sautait pour aller donner nos droits. Mais vu que je... Tu sais plus quand je vois bébé comme ça. Je vis bébé. Donc, c'est vite passé. Tu vois, non, j'ai attrapé B, on a commencé à se b****. Doucement, les enfants regardent ma chaîne YouTube. Hein? On a commencé, il faut utiliser, on a commencé à se mlamlam. Faut utiliser les couvertures. On a commencé à se mlamlam, on a commencé à s'embrasser. Mais s'embrasser, c'est s'embrasser. Marie-Mé, c'est Jo. Faut... Hein, il a compris, laisse-moi parler. Donc... Marie-Mé, c'est Jo, mais il t'a arrangé. Je t'ai arrangé. C'est dit Marie-Mé, c'est Jo. Je t'ai arrangé. Bon, ok. C'est bon. Donc, on s'est blam, blam, blam. Et blam, c'est vite parti. Mais Jean, il n'y a pas eu de truc. Et, tu vois, non? Bon, c'est vite parti. Mais vu qu'il était 19h, 18h, Jean, le Yango ne nous écoutait pas. Tu vois, non? Et puis voilà. C'est vite passé. Mais là, il est dans le coin. Il n'a pas vu. Oh. Il n'a pas vu. Peut-être que s'il a vu, il va nous dire quoi? On paye? Même si elle est de ton Yango, là, on paye à la fin. Non, mais pourtant, à ce moment, il devait dire quand même. Non, pourquoi? En tout cas, c'était bien. Maintenant, pourquoi pour lui, là, il devait dire? Donc, c'était pour toi. Le Yango ne devait pas parler. Mais quand c'est pour Bernice qui est en train de faire les chihuahueries derrière avec son B. Oui, c'est ça, mon B. B. Oui. Son amour. Le Yango doit parler. Oui. Pourquoi? Le père, voilà pourquoi. Tu vas nous expliquer. C'est toi qui vois la normalité partout. Tu as m'énerver, en tout cas, il a bien fait les choses. T'es bien. Tu vois, donc, les choses que. Avant là-bas, c'était sale. C'est moi qui étais bien. Donc, Yango Suzuki Alto. C'est pas Suzuki, c'est du design. Tu connais le design là? J'étais allé régler une histoire de couple d'un ami et on a Binda. Ya, Benissi, ya! Non, Benissi, pas de ce. Ya! Non. Moi! Pourquoi tu
C'est toi qui aime qui a bas ici. Pourquoi tu me mets les choses insectes comme ça? Non, attends. Non, franchement, pas. Tu penses que c'est qui? C'est toi. C'est pas moi. Moi. Non. Si tu es mon ami, hein? Je m'en vais à régler ton problème de couple. Hein? Je ne peux jamais binda avec la personne avec qui tu es. Je vais voir la personne pour régler vos histoires, puis il y a binda la personne. Tu n'as jamais fait ça. Je ne peux pas faire ça. Toi, tu n'as rien fait. Si je m'en vais, je peux me lever pour aller faire. Mais pour dire, attends, je ne sais pas si vous comprenez. Je peux me lever pour aller faire. Mais me lever pour te dire que mon ami, je m'en vais régler vos histoires de couple. Et puis elle m'aime me coucher là-bas. On ne sait jamais. Pas, moi, je ne peux pas. Si tu peux te lever pour aller faire, ouais, c'est pas la différence. Non. Tu peux profiter même de ça. Je ne peux pas dire à mon ami, je m'en vais régler l'affaire de ton foyer. C'est et bon. Puis il y a le coucher le foyer en question. Je ne peux pas, je ne suis pas comme ça. Aïe. Bah, tu connais Benis. Benis, c'est Olo, c'est qui? Ah. Je te connais comme moi ici là. Je te connais pas te défendre quoi. Aïe, là tu connais Benis. Oh, pas parler. C'était il y a un an. Hey! Et c'est récent. C'était même pas quand tu avais 16 ans. C'est là là. Mais jusqu'à présent là même là, mon ami là c'est pas où. Mais je sais que il y a pas te dit aussi que c'est toi. Mais en tout cas, le jour tu m'as dit que d'aller régler les choses là, dans la résidence, ce que tu sais là, finalement, ça arrivait par accident. Et puis, quand on s'est de régler, non, c'est la personne même qui m'a provoqué. Faut dire la vérité, c'est toi qui m'as provoqué. Mais tu es non. Tu m'as provoqué, je voulais pas, tu m'as provoqué. Et puis, je t'ai regardé dans les yeux, et puis, je t'ai dit, tu sais que je peux être à la fois un ange et un démon. Je t'ai dit ça. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu es moi! Je t'ai dit, tu te rappelles? Non, pas vrai! Et puis tu as dit que oui, donc tu veux quoi? J'ai dit, bah si tu veux, on essaie. On a essayé, on est embotté, on a essayé. Ça a bien pris. Tu dis qu'il ne faut pas y aller. J'ai dit, c'est resté comme ça. Tu as dit quoi? Mais c'est pas bien quand même, hein? Mais tu sais, quand tu goûtes ton fruit, c'est qui est mal pour toi? Quand tu goûtes, c'est mal beau. Yeah. Ben, tu me fais peur. Non. Ben, tu me fais peur, ce n'est que moi. Il y a ton voyage pour dire, hey, Ben, faut appeler telle personne. Naturellement, là, on est fâché. La personne me manque. Tu vas aller là-bas. D'après toi-même, la personne va te séduire. Et puis, tu vas regarder la personne pour dire, tu sais que je peux être un ange ou un démon. Là. Je te donne les mains. Bernice, je te donne les mains. Bernice, mais tu es dangereux. Non. C'est un truc qui est arrivé par accident. Ça arrive par accident. Accident de moto ou bien de gros camion. Accident de moto ou bien de gros camion. En plus, non. Tu as vu, ça, là, quand je vais t'expliquer. Alice, tu as quoi à dire dessus? Moi, je suis choqué. Il était deux heures. Non, laisse-moi. Non, attends d'abord. Comment toi, on peut t'envoyer pour aller régler un problème? Tu dois regarder dans les yeux de la personne pour aller. La personne, personne non. Oui. Ah oui. Faut savoir ce que tu vas dire. Non. Mais arrête de faire comme ça. De la personne. Oui, la personne. C'est une personne, c'est ça. C'est une personne. Oui. C'est de la personne, il sait de parler. Aïe. Prenez-vous. Et puis profitez. Il est en train. Ok. Faut aller l'appeler la même médecine méchante. En fait, toi, tu n'as pas de. On a bu des chills. Tu vois, même si. Et quand la fille de voir, il était 2h30. Même si vous avez bu des chills. Tout le monde est en train de se mlomlomlom. Aïe, quand tout le monde se mlomlomlom là, ça donne envie. Aïe, tout le monde se mlomlomlom. Il y a d'autres qui sont ajoutés encore. Il y avait des gens dans la. En fait, c'est une résidence. Et puis, il y avait beaucoup de personnes. Non, est-ce qu'il y a d'autres qui sont ajoutés dans votre mlomlomlom? Non. Moi, je n'aime pas les grands P. Je n'aime pas. Contrairement à d'autres personnes, je n'aime pas, mais il y a ce qui t'en fait. On est parti régler le problème des gens qui t'en ferment. Ça arrive par accident. Et tu ne sauras pas aussi. Par contre, je t'aime bien. Et tu continues de causer à ton ami là? Oui. Oh, il sait pas où. Le pauvre, tu marches à une sorcière. Hé, hey, qui est ta sorcière? Il ne faut pas régler le problème des gens, tu n'as pas honte. Ça va, tu pas grandi là. Toi-même là, faut pas trop parler. Je te rappelle que tu as déjà gratté le foyer de ton ami. Ouais. Tu as dit ça ici. Tu as déjà dragué la go de ton ami. Donc faut pas trop nous emmerder. C'est parce que Bernice même, on peut pas trop le supporter. Non, toi-même, tu n'es pas bon. Toi-même, tu as dit que tu étais marabout pour gâter après les gens. Toi-même, tu étais fétiché ici, non? Toi, tu as enterré Maguia. Tu as des Maguia ici, mets ça dans tout ici.
pour dire que Les filles de ma grand-mère, elles sont aux États-Unis. La plupart de ses enfants sont là-bas. Donc à chaque fois qu'elle doit, elle doit envoyer l'argent, elle m'envoie ça sur mon compte pour me dire donne ça à la vieille. Donc moi, ils taxent un peu, tu vois. Ils taxent pour dire que nous avons les souffrances, nous ne se sent pas bien. Ajoutons au moins 50 000 dessus pour acheter des médicaments pour elle parce que ça ne va pas du tout. Donc elles envoient l'argent. Moi, ils calent les 50 000. Et puis il dit à la mère que non, même dans son argent là, que non, on doit payer frais mais d'expédition encore. Donc il cale au moins 20 000 dessus. Ne l'avez pas toi. Dans ce dos de la femme là, toi tu attends, non seulement tu rends malade ta grand-mère et tu prends. Non mais moi c'est d'accord avec lui, il n'a pas leur coursier. Elles sont couchées aux États-Unis là-bas, il est ici, elles savent comment il fait pour manger. Et puis elles vont voir l'argent, puis lui doit courir pour aller chercher, pour pas. Il n'a pas leur coursier. Pourquoi je te dis ça? Tayson là, Tayson c'est dans ma famille. Elles ont déjà vu nos papillons sur sa gorge. Elles ont déjà vu 9 papillons sur la gorge d'Aziz. Elles sont aux États-Unis et puis elles sont là-bas, elles envoient leurs dollars et puis lui doit courir pour aller prendre. Why? Why, why, why? Elle me donne rien. Donc moi, c'est un point pour moi aussi. Oui. Vous voyez la vidéo. C'est pas grave. Et puis, allez, là, il y a l'argent. Il est un patron. Oui. Je suis son boss. Il est beaucoup bien payé. Il est rétribué par moi. Si vous voulez, elle ne voyait rien. Oui. Aïe. Tu peux y appeler les visages là. N'envoyez rien et puis vous guettez vous là. Tout je vous dis ça. Si vous voulez la vidéo, vous... Moi je chasse vite les gens, il ne faut pas trop prendre la confiance. Hein. Tu ne sais même pas si le mois prochain tu seras encore mon employé. Donc si on te chasse ici là, tu vas voir sur qui tu peux parler. Mais si on te chasse même, on voit où tu as parti. Moi j'ai mon grand frère. Si il ne veut pas de moi, ma maman veut de moi. Voilà. C'est même moi. Oui. Maintenant on a la même maman, on a les mêmes frères et sœurs. On a tout ensemble. Sauf. Les partenaires, c'est juste ça. On peut pas avoir même partenaire. Mais... Faut. Si je veux, je peux. Et t'as dit. Aïe. Oui, parce que tu peux être un ange et un démon. Holy. J'ai déjà pris la nourriture dans la bouche de B. Pour toi, les vilains. Yeah, vous ne savez pas que maintenant. C'est maintenant que j'ai trouvé l'amour de ma vie. C'est maintenant que je vis vraiment un amour vraiment réciproque. Donc vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aime cette personne et je sais que l'amour que faut laisser la personne va se concentrer sur son bac. Faut laisser la personne va avoir son examen. On t'a dit que la personne elle est en terminale. La personne n'est pas en terminale, la personne en première année de sciences politiques. Hey, la personne en première année de sciences politiques. Kevin, maman pour qu'elle est là. La personne en parlant français comprendre. Faut pas, c'est elle qu'il faut pas faire des choses là. Il y a compris yo. La personne en première année de sciences politiques. Donc en fait la. Dans quel lycée? Sciences politiques, c'est université ou c'est lycée? Ah. Hein? Mais c'est pour une année dans quel lycée? Lorsque il était dit que sciences politiques, tu te tais ma vie amoureuse. Donc en fait c'est la première fois que je vis un amour vraiment responsable. C'est que la personne sait que je l'aime et je sais que la personne m'aime. Je sais pas si tu essaies de voir un peu cette nuance. Oh, on a été en couple avant toi, faut pas nous emmerder. On a été en couple avant toi. Et je suis. Si c'est parce que vous prenez nourriture dans vos bouches au lieu de prendre cuillère, tu penses que vous vous aimez trop là. Laisse-moi te dire que non, c'est sale. C'est pas ça. Il y a cuillère, vous laissez cuillère, vous laissez fouchette. Et puis vous prenez votre bouche pour prendre nourriture. C'est pas ça. Pour mettre dans la bouche. Les vrais amoureux savent que ça, c'est pas sale. C'est plutôt significatif. C'est pas sale. Prendre de la nourriture dans la bouche de Baye pendant que cette nourriture est pâteuse, genre tu. Bénisse pas. Bénisse pas. Non, il faut pas de gueule. Tout ça très bien. Tout ça bien. Tout ça. Tu fais honte. Il fait pas honte. Oh, honte. Vous-même, vous savez que c'est pas honte. Tu fais honte. C'est parce que c'est ici, ça veut dire que honte. Non, tu fais honte. Non. Mais c'est quoi, c'est quelle pâte? C'est quoi ça là? Tu n'as jamais tout. Non. Non. J'ai dit non. Ah non. Ok, non. Attends.
embrasser mutuellement là. C'est un mélange de salive. Bénis. Donc mélange de salive, vous pouvez mettre la nourriture dans vos bouches. Donc quand BM met la bouche depuis, elle mâche. Je prends. Voilà. Parce que je l'aime. Hé hey, Luna, on a compris. Je t'adore, mon cœur. Je t'aime. Mais pourquoi il bête si ce point là? Laisse-moi de toi. Voici la main d'Elton John. Vous savez arrêter. Je sais pas. Vous savez que j'aime cette personne. Ah, j'envoie mais cette personne ici à la maison. Dans cette chambre là. Sur le lit, ben. Il manque. Celui de moi. En tout cas. Même si on te paye, tu peux pas. Tu n'es pas garçon. Que dis-je? Tu n'es pas femme. Tu n'es pas femme. Mais... J'espère bien pour toi que tu rigoles. Je rigole, je rigole. Mais arrête de faire comme si c'était quelque chose. Il y a oui, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose. Pourquoi tu as venu faire tes choix atterrés sur mon lit? Tu es malade. Parce que c'est ton lit qui me sent bien. Ça me fait même pas. On lit le projet, c'est que c'est de ça qu'il s'agit à Tchèque. J'ai mangé la nourriture du chien, j'étais affamé. C'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là? Personne d'autre peut faire ça, c'est pas bien. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça là? C'est pas que. Si tu prends pas nourriture dans bouche de bébé, tu prends nourriture dans bouche du chien, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Viens vous expliquer. Tu as expliqué pour 10 fois. C'est pas pour. C'est pas le. C'est pas le pour ça dans son assiette. Je vais vous expliquer. À 19h là. Ah, y a mon... Au Carrefour, il y a pourquoi là? Au Carrefour, quoi? Il y a pourquoi? On appelle ça Carrefour, il y a pourquoi? Là-bas, là, il y a une femme du là, à partir de 18h19, elle vend du riz maloufou avec sauce arachide, bizarre comme ça. Donc, c'est ce qu'on part payer pour le chien. Donc, vu que quand j'avais 11 ans, 12 ans, là, je me rassasiais pas vite. Hein, tu vois, 11 ans et plus 12 ans, 13 ans, tu faisais pas les bonnes choses. Normalement, les enfants, là, à cet âge, j'adore. Toi, t'es tête, j'ai pas. Toi, quand tu avais 11 ans, toi, tu faisais trop bonnes choses. Voilà. Quand toi, tu avais 11 ans, là, tu partais trier grain de riz à la mosquée. Laissez-moi. Toi, tu faisais trop bonnes choses. Laisse-moi m'expliquer. Donc, on me donne 100 premières secondes d'aller payer le riz pour le chien. Donc, je m'en vais dire, attends. Tu es pressé d'expliquer, c'est une bonne chose, quoi. Non, je vais expliquer. Pas parler. Je pense que je suis allé prendre ça dans la serre du chien. Mais c'est ce que tu as fait. Donc, je m'en vais, il te dit, en train de riz 100 fois, puis tu mets sauce dessus. Maintenant, riz que d'autres personnes sont venues manger là, faut rassembler, tu vas mettre dedans. Donc, elle rassemble, et puis elle met dedans. Puis maintenant, quand je suis sur la houque là, je divise le riz en deux. Puis je mange. Je suis affamé pour moi. Mais non. Ça va maintenant, ma vie a changé grâce à mon grand frère. Mais tu, au lieu de manger riz de chien, fallait boire lait de chat. Fallait boire lait qu'on donne au chat. Tu allais grandir à ta taille. Coutelina, si tu dois manger toi-même ton riz du chien, tout va se constiper, tu vas pas grandir. Ah, je comprends pourquoi tu es pétrie là. Depuis tes 10 ans, 11 ans, tu manges tout. Je suis pétrie, c'est vrai, mais bah même. Et je l'aime également. Relation, ça n'a pas duré. Oh, ça a duré. Vous avez été où? C'est même ça qui est chargé. Moi, ma relation, ça fait 6 mois, depuis novembre. Waouh! Quel exploit! Si elle devait charger, là, c'était depuis, par exemple, décembre, janvier. Mais si j'ai attendu, là, c'est parce que je voulais mettre les pics au point et les bas sur les T, sans oublier les I, sur les points sur les I. Tu veux mélanger ta relation, mélanger ta ma relation n'est pas mélangée. C'est mon explication, tu n'as pas compris. Oh, ça là-bas. Zah! Une explication stupide. Mais ça, c'est pas de moi, tu parles aussi. C'est toi. Et t'as dit que je n'aime pas ce que tu fais. C'est parce que Dieu doit être regardé. Tout là, on quitte ici, pardon. J'ai pas. Ça a commencé par j'ai falsifié. Tu as falsifié quoi? Que toi, tout ce qui est arnaque, falsification, c'est toi. Oli! J'ai falsifié ce médical là afin de soutirer. Ce médical comment? On dirait une illettrée. C'est ce qui est écrit. J'ai falsifié mon ordonnance, tu sais pas lire. Hein? Mamie qui a fait médecine, j'ai falsifié ce médical. Tu as bien fait de ne pas terminer. Je n'ai pas lu là. Je viens vite, j'ai falsifié. Mais tu vois, tu sautes pourquoi? Toi, tu n'as pas fait Mariam jouer à la balle, celle la jolie moto de papa. Tu n'as pas fait CP1. Tu n'as pas fait CP1. J'ai falsifié ce médical. Stupide. Faut l'essayer. Stupide. Tu m'arraches, tu as quoi? C'est toi qui as falsifié, même folie. C'est toi. Non,
Lis, pas lis, c'est quoi tu as fait là, tu pas lis. Hein? Lis. On lit plus. Lis. Pourquoi qu'il y ait ce monde? Ça n'a pas appris. Ça n'a pas appris. Ça n'a pas appris. Ça a appris. Ça a appris. J'ai falsifié mon ordonnance médicale afin de soutirer de l'argent à ma grande. La femme la souffre. Si tu la rends pas malade, c'est toi-même qui falsifies ton ordonnance. Vas-y, tu n'es pas bonné. Ta famille. Vas-y, tu es mauvais même. Est-ce que tu étais. Ils t'ont chassé ou bien c'est quoi? Mais ils t'ont fait quoi pour subir ce que tu leur fais subir? En fait, non, ils ont lâché, mais ils ne veulent pas donner. Mais. Comment il prend en même temps ou bien? Aïe! Non, c'est comme ça. Tu sais, là, à l'hôpital, ils m'ont. C'est parce que moyen là que tu. Faut te taire, mamie. Toi, mais tu dois pas trop parler. Oh, tu prends une nourriture de chien. Moi, mieux. Et vous avez dit que c'est pas de la moi, faute mieux. Que je fais. Donc, ils m'ont dit que j'étais à l'hôpital, ils m'ont donné des médicaments achetés. Ça coûtait 50 000 euros. Toi, tu avais quel genre de maladie que ton médicament coûte 50 000? Elle voilà. Va pas fermer son goin. Vous parlez. Fidou, on dit c'est pour toi. Nous, on s'exprime aussi. Il y a la personne qui dit qu'il a pris la confiance. C'est grâce à mon grand frère. Si aujourd'hui, je me sens bien devant une caméra, là, c'est grâce à mon grand frère. Mais confiance, parce que... tu as pris là, c'est abusé. Parce... c'est abusé. C'est pas abusé. Confiance, tu as pris là, il y a même, quoi moi-même là, mon comportement de nature, c'est ça. C'est comme ça que moi, je suis de nature. Et ça va pas changer. Mais ils sont en train d'abuser. Non, 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 non. C'est pas en train d'abuser. Ça, tu n'as qu'à ces bêtises, il fait là. Il est là, il parle d'affaires des gens. Nous, on peut parler aussi, mais il y a quoi? Toi, tu comment et puis nous, on peut parler aussi. Tu as tout chargé ta petite taille. Mais tu as dit quelque chose. Mais laisse-moi y aller. C'est mon ordonnance, c'est ton ordonnance. Comment toi, tu as mais laisse-moi y aller. Mais c'est petit. Comment tu as petit la taille ici? Tu es malade, comment il faut ton ordonnance faire 50 000? Toi, tu comment? Vous êtes d'avis avec moi, ou bien? Personne n'est d'avis avec toi ici. Si, ça passe que personne n'est d'avis. C'est parce que vous allez dire que lui. Même si vous voulez parler, ils n'allaient pas prendre ta défense. Toi, tu ne fais pas la bonne chose ici, c'est toi qui vas faire ça. C'est pas bon. Tu ne peux pas me donner des ordres. On n'est pas un bon crédit sain. Tu n'as rien à dire. Si. Tu n'as rien à dire. Faut terminer. C'est mieux. Laisse ma taille. C'est mieux de terminer le truc là. Faut fermer ta bouche, mais bien, parle. Donc, il disait. Il a pris ordonnance là, il m'a dit que non, c'est 80 000 euros. Même si mon mec a ajouté aussi, il a ajouté fort. 40 000 francs. Pour une nanak. C'est une nanak. Franchement, toi, ton nanak là, je sais pas, tu fais ça pour moi. 30 000 là, c'est pas beaucoup. 50 000, 30 000, c'est quoi ça? En tout cas, moi ça me suffit. C'est mieux parce que tu me tues les chiens. C'est mille fois mieux. 30 000 là, tu peux me burger ça. Ça, c'est bon. Un vol. Ce que tu fais, c'est un vol. Le vol est condamné dans la Bible. Nourriture des chiens. Non, si, c'est, si c'est côté Bible à ce moment, c'est qu'il ne faut pas en parler de ça. C'est bon, c'est bon. Mais si on doit parler c'est de ça. C'est bon, hé, Azizo. Azizi, on doit parler. Ça, faut faire ça. C'est mieux. Excusez-moi, okay. Phineas est faible. Vous avez fini, je peux parler. Candice parle à qui ou si moi, je suis Candice. C'est que toi tu es d'autre Z. Si moi je suis Candice, toi tu es d'autre Z. J'ai déjà fait des bails. On ne peut pas trop parler. Des bails. Dans une classe de lycée. Tu bénis. Ah, c'est toi. Ah, c'est moi je ne dis pas bail. Moi je dis qui à balance. Moi je ne dis pas bail. Donc la personne qui peut dire bail, si c'est pas toi, c'est lui. Mais je vois bien celui-là. C'est toi. Non, c'est pas moi, c'est lui. Moi, j'ai jamais fait ça dans une classe. Dans une école. Non. T'as jamais fait ça? C'est toi qui peux faire ce jeu de bêtises. Pas de bêtises. C'est Candice. C'est toi. J'étais en première. Je t'ai dit. C'était en première. C'était un samedi. On s'est donné rendez-vous. C'était pas une personne qui était au lycée. Mais la personne avait fait le lycée. Mais la personne avait déjà eu son bac. On s'est connus sur Facebook. On s'est donné rendez-vous au lycée. Parce qu'on savait pas où on allait faire. Donc on est allé. Tu peux pas aller dans l'hôtel aussi. On est allé dans classe B. T'avais quel âge? En première avec quel âge? J'avais 15 ans. On est allé dans classe de première D là. Non, de terminale D. On est allé là-bas. Oui. Et puis ça s'est bien passé. On a fait. Fait que je connais fait. Mais c'était pas dans mon lycée. Parce que moi j'étais au lycée classique. On a fait ça dans un lycée en tout cas. Bon, tu es parti dans le lycée des gens pour les faire là-bas. Tu ne parles pas de. J'étais jeune et. Pardon? Tu étais jeune comment? Ta jeunesse, c'était comme 15 ans là, c'est. Parce que tu as bien vu que tu es parti faire. Et puis dans le lycée des gens. Il reste deux, c'est grasi, choisi. Non, enfin, attends, il va terminer. C'était un samedi, il n'y avait pas cours. Même s'il n'y avait pas cours.
Même si elle n'avait pas cool. Tu as dit qu'il n'est pas cool. Il n'est pas cool. Non. Elles sont pas trop. Et puis sur les tables, ça fait. Ou vous êtes mal positionné. Hey, ou bien après, vous partez vers le tableau. Mais là qui est en haut, qui est en bas, ou bien ça c'est. Ah, c'est pas ton problème. Uh-huh. Qui faisait freaking tableau ou bien qui s'est couché comme formol, c'est pas ton problème. J'ai menti sur mon ex. Les ex même souffrent. Moi j'ai toujours respecté mes ex. Ça, moi, quand même, toi, respecter qui moi, je n'ai jamais fait vidéo sur mes ex. Mes ex, est-ce que j'ai aimé dans ma vie là? Je n'ai jamais fait vidéo dessus. C'est vrai. Et puis je ne vais jamais faire ça. Sérieux. Et puis je ne garde pas leur nom. Et c'est vrai. C'est un bout de. Moi, je ne peux pas faire ça. Si tu as partagé ma vie, je ne vais jamais me promener pour gâter ton nom. En plus, il me parle toujours bien de son ex. Oui. C'est bisous, entre vous deux. Bisous l'ex de ma... De mon grand frère. Bisous. Sauvage. Merci pour tout ce que... Hey, il est pas... Non. Pourquoi? Entre vous deux. C'est à lui. Pourquoi? Moi, je n'ai pas d'ex. Je peux même pas avoir d'ex. Parce que ça me donne... Tu n'as jamais eu d'ex. J'ai vu une relation amoureuse. Genre, je n'ai pas d'ex. Bon, vous êtes deux, si c'est pas moi, si c'est pas Benny, c'est toi. C'est lui, explique-toi, menti sur le pour dire quoi. Ah, c'est toi. Ben. Il est menti sur la fille là jusqu'à... Tu sais, on était au lycée, il a dit aux gens que ah, qui y a pas la fille, mais... Qui a fait les bails, on a fait les ceci, on a fait les cela, on a fait beaucoup de choses bizarres. En tout cas, c'était même pas le cas même. En tout cas, vous n'avez rien fait. On n'a rien fait même. Il a gâté son nom dans lycée là jusqu'à... C'est pas... On pensait que nous faisait les bonnes choses. Aziz, excuse-moi beaucoup. Ouais. Non, je ne veux pas te faire force. C'est même pas pour prendre défense de Denis. Mais tu es dangereux. Tu es dangereux, vu. Il faut me faire faux, pardon. Parce que ça gâche la réputation d'une fille dans un lycée. Et surtout qu'on sait que dans les lycées ou le collège, les élèves sont pas... Ils sont pas bienveillants. Ils sont pas bien. C'est pour les leaders jeunes, donc... Je dois donner les soucis de l'amour en fait. Oh! Allô? Allez, ben, je suis encore. On est en train de faire une vidéo ici, Kevin. C'est pas mon numéro, tu as appelé, mais c'est le numéro de Bernice. C'est moi qui ai payé son téléphone. Pardon, mon 11, c'est pas toi qui as payé, c'est mes partenaires qui ont acheté. Donc, allô, nono? Donc, on en était où déjà? Il a fini de parler. T'as fini de parler, oui. J'ai volé dans un magasin de vêtements. Ah, c'est toi? Ah, c'est toi? Après, ma première, où ça là? Où tu as volé, on t'a attrapé là? Oh, je me rappelle bien. Il a volé les habits, lui et puis quelqu'un. Que j'ai pas dit son nom, mais je sais qu'il essaie. Ils ont volé à lui. On dit c'est moi ici, autre chose déjà. Oh, ils appellent la honte comme ça. Comment tu peux aller? Ça, c'est quelque chose comme ça, il peut faire. Oui. Voler à billets. On était jeunes, on n'avait pas l'argent. Même tu n'as pas l'argent, tu restes à la maison. C'est tu pas champagne. Vu que c'est que tu fais même ici. Non, on n'est pas parti la première fois, non. Et puis elle a dit qu'on n'a qu'à prendre ça là. On paye les autres, ça là, on prend. On voit si on nous attrape. Si on nous attrape, on dit que ouh, on a oublié de montrer à la caisse. Désolé, comme c'était un seul article. Donc on a pu partir avec l'article. Le lendemain, on est parti. C'est là où on s'est oublié. On a pris beaucoup de choses. Mais ne faites pas ça, c'est pas bon. On a pris beaucoup de choses. Et finalement, on sortait, ils nous ont attrapés. Monsieur, madame, suivez-nous. On est monté en haut là-bas. Elle a commencé à pleurer. Que mon monsieur, s'il vous plaît, on va tout payer. Laissez-nous appeler nos parents. Et puis le vigile, là, déjà, c'était un Ivoirien. Il nous a bien insulté que vous gâtez le nom du pays. Nanana. Donc, vol, là, est-ce qu'il a fait des nationalités? Donc, vol, est-ce qu'il a fait des nationalités? Mais finalement, on a pu payer. Il y avait 200 euros sur moi. C'était pour compléter, pour payer mon loyer. J'ai payé 200 euros là. Parce que tout faisait 400 quelques euros. Qu'ils ont calculé. Le reste, ils ont pris. Ils m'ont imposé de payer 200 euros. Ne faites pas ça. J'étais jeune. C'est que tu étais à découvert comme ça. Je te dis la honte. J'avais pas l'argent à l'époque. Oh. Je voulais aussi m'habiller. Hey, ta vie avant, ça faisait un peu pitié. Mais Dieu merci, maintenant tu te permets de payer un loyer. Le côté là-bas. Le côté là-bas. Maïk, il n'est pas là-bas, mais il paye. Et c'est beaucoup comme ça. Il a des factures à payer, il fait ça. En plus de nous donner de l'argent, il donne de l'argent partout. Ne faites pas comme moi. C'était une période d'égarement. Et puis, on a tous fait ça quand on était jeune. Dans ma rasée, là, il pense pas. Ah. En France, en tout cas, non, on a tous. En France, là, quand on était jeune, là, nous tous, on a un peu pris quelque chose dans un magasin sans payer. Ah.
C'est pour vous amuser là-bas, quoi. Ça, c'est pas ton problème. J'ai pas bien lui demander ça encore. Toi qui t'amuses en volant tes tentes là, on parle. C'est pas pour falsifier ton. Non, moi, c'est un magasin que je connais pas les patrons. Toi, ta propre famille. Yeah. C'est tout là qui est grave que pour moi là. Bon, moi, ça, même si les points là, elles vont parler, ça, c'est fini. Top, ton point, coller ta photo là-bas. Allez là, c'est pas fini pour toi. Vu et du revu. C'est quoi? Cette écriture me semble familière. J'avais des sentiments pour une personne dans ma classe. Moi, elle m'a plu à l'école. Je sais pas. Tu as arrêté ça en quelle année? Elle a raté ça en deuxième année de médecine. Quand il y a deuxième année, genre deuxième année de la première année. Quand il y a doublé la première année, pour le tronc commun. Mais c'est la vie qui est là-haut. Mon ami, faut profiter. Oh, bénisse, pardon. Zoye, poté, ni clou. C'est qui? Tu vois, les va chanter, c'est dans ta gorge, ça sort bien. Merci. Chante. Il y a d'autres, maman. Ça t'a loupé. Ah, tu connais ça là? C'est qui a des sentiments pour quelqu'un dans sa classe? Maman, il est. Ah, mais c'est moi, je n'explique pas. C'est la fin de la vidéo. Moi, t'es levé, tu vas aller faire le montage. Eh, c'est bon, c'est quoi? C'est fou. Quand la mère parle, les enfants se taisent. Merci. Chien.